Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Peter Juda met het radionieuws. En hier is hij voluit, Gilles Dreux. Je suis Gilles Dreux, mon nom est Gilles Dreux. Je suis ravi, très très content de faire partie de votre émission Entre nous, plutôt, et j'attends vos questions. Voilà. Gilles Dreux. Ça fait longtemps, mais là c'était l'interview que j'avais donnée pour RTV à Jos Benders, qui s'occupe pour une émission qui s'appelle Entre nous et qui est diffusée aux Pays-Bas et en Belgique. Ça a été un plaisir. Welkom ook aan mijn collega Paul Boerboom. Jij maakte deze speciale hommage. Gilles Dreux, troubadour en levenskunstenaar. Zijn echte naam is Jean-Paul Chapuisat, geboren in Dreux, zo'n 90 kilometer ten westen van Parijs. Na zijn militaire dienst in Algerije trad hij op in verschillende kleinkunsttheaters, zoals de Tire Bouchon op Montmartre. Het was in deze tijd dat Jean-Paul Chapuisat Gilles Dreux werd, met een knipoog naar zijn geboortestad Dreux. Zijn eerste succes, Fille de Garche. Fille de Garche, et enfant de puteau, nous nous aimions depuis 10 ans bientôt. Hij zou vaak over filles, meisjes zingen, zoals over een Juliette, een Descendez d'escalier. Descendez d'escalier, que je vous vois, Juliette. Of over een Michel. Michel, mon mur, ma citadelle. Of over Frida. Zijn grootste succes in 1968 ging over een ander meisje, Alouette. Het refrein was typerend voor de levensstijl van de zanger. Alouette, Alouette. Alouette, Alouette, kom leun op mijn schouder, kom je opwarmen. Je zult zien dat ik, Gilles, hield er een wild leven op na in zijn jonge jaren. Je papillonnais beaucoup, je vivais une vie très 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 mouvementée. Ik voelde, je sais bien danser. Mijn god, waarom? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, mon Dieu? T'es-tu donné tant de mal pour faire tout ça? God vergeeft, maar ik niet. Dieu pardonne, moi pas. In 2014 bracht hij ter gelegenheid van zijn 80ste het album en de single 24 jaar uit, ofwel 4 fois 20 ans. J'ai 4 fois 20 ans. Encore un vieux fou. Oui, c'était une interview intéressante parce que on a parcouru un florilège de 50 ans de chansons, donc sur ces albums, ça fait quand même des extraits de près de 200 chansons. Op 30 oktober 2020 vierde hij zijn diamanten jubileum als artiest met het album Le Comptoir des Amis. Daarop zingt hij samen met zijn vrienden, waaronder Gérard Lenormand. Et ça ira comme ça. Essayera comme ça. Dont le dernier, évidemment, le comptoir des amis, qui est le plus important et le plus cher à mon cœur, avec principalement Gérard Lenormand, Serge Lama, Bidi Marmolivien et quelques autres. Au revoir, Gilles. Merci pour la rencontre. Et qu'on n'y t'a pas la dernière fois. C'est une rencontre tout à fait positive au départ et très chaleureuse d'ailleurs. Ah, dankjewel, Gilles. Merci, Gilles. Gilles Dreux. Entre nous. Entre nous. Un programme avec de la musique française.